Branchez-vous sur Croisticoaliri et vous attendra au rendez-vous. La révélation des mystères cachés de la Bible. Église en ligne, le culte, l'adoration et la prédication du jour en direct. De l'exhortation et du réconfort spirituel. Demandez une requête de prière. La Bible audio et musique en toutes les langues. La compréhension biblique de l'actualité, des prophéties, et des signes de temps. La démystification des fausses églises et doctrines. Attachement à la saine doctrine. Et enfin, venez suivre les enseignements bibliques d'une profondeur et précision à vous couper le souffle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. L'église, où est la vraie église? Pourquoi
toutes ces églises. Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je voie. D'être encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dans votre espace appelé Orion la Grande Lumière. Par la grâce du Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ouverture du livre et le nom de 24 vieillards. Nous commençons d'abord par la lecture. Nous prenons le livre Apocalypse chapitre 6. Mais nous, ici, nous allons lire quelques versets. Nous commençons par le premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix des tonnerres, viens. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donné et il partit en vainqueur pour convaincre. Ok. Nous prenons aussi l'Apocalypse chapitre 5. Nous commençons par le verset premier. Apocalypse chapitre 5. Nous commençons par le verset premier. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne pouvait trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion et la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Que le Seigneur bénisse la lecture et qu'il bénisse aussi tous ces qui sont en train de nous suivre. Nous sommes en face d'un livre scellé, fermé de sept sceaux. Et ce livre était à la droite, à la main droite de Dieu lui-même. C'était aussi un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Et on cherchait qui devait ouvrir ces livres. Mais personne n'était digne, que ce soit dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Les gens qui voyaient la vision pleuraient parce que personne n'était digne d'ouvrir ces livres. Mais la parole de consolation est venue par l'un des veillards, l'un des anciens, qui dira à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir ses livres. Et lorsque Jean regardait au lieu du lion, il verra un agneau qui était au milieu du pot, au milieu des 24 veillards, au milieu des quatre êtres vivants. Un agneau qui était comme immolé et qui avait sept yeux et sept cornes. Voilà, c'est cet agneau qui était digne d'ouvrir le livre. C'est cet agneau qui a essuyé
les larmes de celui qui pleurait. Et dernièrement, nous avons dit, nous avons défini les livres. Nous avons compris que selon les Écritures, le livre parle du ciel. Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Et le livre parle aussi de la terre. Josué chapitre 18, le verset 9. À 10. Et nous avons compris aussi que le livre a deux portions. Il y a la portion céleste et la portion terrestre. Voilà pourquoi c'est ce qui nous amènera aujourd'hui d'aller dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Prenons Genèse 1er, le verset 1er, nous allons lire. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, on nous parle de la création. Et l'Écriture mentionne noir sur blanc qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on parle de créer, c'est un verbe. C'est-à-dire, on sous-entend la création. Dieu créa, c'est-à-dire c'est une création. Et cette création a deux portions, parce que le créa du ciel et la terre. C'est-à-dire cette création a deux portions qui sont le ciel et la terre. On parle là. Vraiment, nous comprenons que la création, c'est un grand livre. Parce que la création, selon cette écriture, a deux portions. Il y a la portion qu'on appelle le ciel, et l'autre portion, c'est la terre. Et la création devient un grand livre. Mais la création, comme un livre, ce livre était fermé. Et ce livre était fermé lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En ces temps-là, on ne pouvait parler de la création physique, cette création adamique. On ne pouvait parler, on ne pouvait faire mention de cette création. Pour dire tout simplement, lorsque l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, la création comme un livre, cette création était fermée, était cachée. Mais pour que ce livre soit ouvert, parce que lorsque Dieu créait, les sept jours, c'était comme les sept sceaux. Et chaque jour, il était en train d'ouvrir les sceaux. Le premier jour, il a ouvert le premier sceau. Le deuxième jour, jusqu'au septième jour, Dieu ne faisait ouvrir le sceau. Maintenant, regardons pour que ce livre qui est la création soit ouvert. Il fallait d'abord que Dieu commence par la lumière, que la lumière soit. Pourquoi seulement il devait commencer par la lumière? Et par là, nous comprenons, ce n'est pas un hasard,
sur l'agneau qui vient ouvrir le livre a des yeux, précisément ses yeux. On fait mention aussi de ses yeux. C'est-à-dire il vient avec la lumière, parce que l'œil c'est la lampe du corps. Et avec ses yeux, c'est comme les sept lampes qui sont devant les trônes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. De la même manière qu'il devait commencer par que la lumière soit, dans Genèse chapitre 1er, aussi l'agneau vient avec ses yeux. Alors cela veut dire quoi? C'est vrai que la lumière a une particularité. Parmi les particularités de la lumière, dans les Écritures, la lumière joue le rôle de dévoiler ce qui se cache. Là, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 8, le verset 16 au 17e verset. Luc 8, 16 à 17. Ok. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être commis et mis au jour. Vous voyez, selon cette écriture, la lumière joue le rôle de dévoiler ce qui se cache. Alors, lorsque la chose est cachée, c'est ce qu'on appelle fermer. C'est comme dans les livres de Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar avait un songe. Il avait eu un songe sur la statue, que la statue élevait. Mais il avait oublié les songes. Cette vision nocturne, il l'avait oublié. Et ce songe est devenu comme un livre qui était fermé. Cette vision est devenue comme un livre caché. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 11, l'Écriture compare la vision ou le songe à un livre. Selon cette Écriture, une vision, une révélation, un songe, c'est aussi un livre. Voilà pourquoi cette vision nocturne de Nebuchadnezzar, c'était tout un livre. Mais lorsque Nebuchadnezzar avait oublié ses songes, cette vision nocturne, la vision est devenue un livre fermé, un livre caché. Voyez, voilà pourquoi nous disons qu'on devait commencer par la lumière. Même Dieu lui-même devait commencer par la lumière, que la lumière soit. Pourquoi? Parce que c'est par la lumière qu'on ouvre ce qui se cache.
la chose qui se cache est dévoilée et ouverte au moyen de la lumière. Voilà pourquoi la création, comme tout un livre qui devait s'ouvrir, et Dieu a utilisé la lumière pour ouvrir ses livres. C'est comme l'agneau qui vient avec ses yeux. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 8. Commençons par le verset 8 jusqu'au 9e verset. Luc, chapitre 15. On commence par le verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Vous voyez, il y a une femme qui avait perdu sa drachme. Cette drachme était cachée dans les ténèbres. Mais pour retrouver cette drachme, il fallait premièrement que la femme allume la lampe, balaye la maison. Et après, elle retrouvera ce qu'elle avait perdu. Vous voyez, tout ça c'est pour confirmer que la lumière dévoile la chose qui se cache. Et nous savons bien, cette lampe qui a été allumée, c'est Matthieu chapitre 17. Jésus-Christ est transfiguré. C'était toute une lampe que Dieu avait allumée. Mais pour retrouver une personne qui était perdue depuis le jardin d'Éden, et nous tous nous étions dans cette personne-là. Pour retrouver Adam qui était perdu comme sa drachme. Voilà pourquoi il devait allumer la lampe. C'était Jésus-Christ, la lampe allumée dans Matthieu chapitre 17. Et après, il viendra avec le balai. Le balai, c'est l'œuvre de l'expiation. Le balai, c'est pour expier. On en parle dans le livre de Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe 14, le verset 22. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'en ai attiré le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Verset 23. J'en ferai l'Égypte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Ici, on parle du balai. Mais ce balai ici, c'est pour effacer la trace de Babylone. C'est-à-dire, le balai, c'est pour effacer. L'œuvre d'effacer, c'est ça l'œuvre de l'expiation. Ôter le péché, ôter l'iniquité, ôter l'impureté. Voilà pourquoi, pour retrouver la drachme perdue, il fallait d'abord qu'une lampe soit allumée
Et après, il faut que l'œuvre de l'expiation se fasse sur la croix représentée en Adam. Mais nous tirons une pensée, seul de savoir que la lumière a une grande importance, seul de dévoiler la chose qui se cache, d'ouvrir, de mettre en lumière la chose qui se cache. Et nous avons pris toutes ces écritures toujours pour confirmer que la lumière a pour mission d'ouvrir, la lumière a pour mission de dévoiler et de révéler. Une autre écriture dans le livre de Daniel, chapitre 5. Il y a une main qui écrivait sur la muraille. Mais l'écriture que la main a écrite, cette écriture était fermée, était comme un livre fermé. Parce que personne ne pouvait comprendre cette écriture, personne ne pouvait lire cette écriture. C'est comme dans Apocalypse chapitre 5, personne n'était digne d'ouvrir les livres. C'est aussi Daniel chapitre 5, personne ne pouvait ouvrir, lire cette écriture, expliquer cette écriture. C'est l'image du livre fermé. Et la main écrivait en face du chandelier. La main a écrit en face du chandelier. Ce n'est pas un hasard. Parce que lorsqu'on cherchait qui devait lire cette écriture, qui devait expliquer et ouvrir ces livres qui étaient fermés, la femme du roi Belshazzar se levera et rappellera à son mari que du temps de ton père, c'est-à-dire de Nebuchadnezzar, il y avait un homme. On l'a appelé un captif. Un captif parmi les fils d'Israël. Cet homme, il porte en lui les lumières. C'est ce que la femme a dit. Cet homme, c'est-à-dire Daniel, porte les lumières. Pour dire ici, Daniel devient le véritable champ des lumières. Et pour ouvrir le livre, lire l'écriture, dévoiler ce qui était caché, on avait besoin du champ des lumières. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas un hasard si la main écrivait en face du chandelier, parce que seul le chandelier pouvait lire cette écriture. Et la répétition, c'est l'agneau qui a cette yeux. L'œil comme la lampe du corps, l'agneau directement devient aussi chandelier. Et c'est le chandelier qui devait lire, qui devait expliquer, qui devait ouvrir les livres. Maintenant, remarquez, dans Daniel chapitre 5, Daniel était un captif parmi les fils d'Israël. Mais Daniel n'était pas n'importe qui. Dans le livre de Daniel chapitre 1er, Daniel était un prince. Il était de la race de Juda. Il était un prince. Voilà pourquoi lorsqu'on cherchait qui devait ouvrir les livres, il fallait premièrement que l'un des veillards présente l'agneau, et pardon, les lions de la tribu de Juda. Il fallait premièrement qu'il fasse mention du lion
que c'est le lion qui est digne d'ouvrir les livres. Alors lorsqu'on parle du lion, on voit directement la royauté. C'est Jida qui est le lion. Dans les livres de Genèse chapitre 49, c'est Jida qui est le lion. Vous voyez? Raison pour laquelle Daniel devait être aussi d'Ijida. Il était de la postérité d'Ijida. C'est ça qu'on appelle les lions. Mais étant captif, il devient un lion. Captif. Un lion, mais captif. Il devient un lion. Lorsque Samson déchirer les lions, l'écriture dit, il déchira les lions comme un chevreau. Pour dire tout simplement, dans les lions, il y a aussi les chevaux. Mais par rapport à la fête de la Pâque, dans Exode chapitre 12, on pouvait prendre les chevaux, on pouvait prendre aussi l'agneau, c'est-à-dire selon Exode chapitre 12, les chevaux et l'agneau parlent de la même réalité par rapport à la fête de la Pâque. Vous pouvez prendre l'agneau, vous pouvez prendre aussi les chevaux. C'est la même réalité. C'est-à-dire, quand Samson déchirait les lions comme un chevreau, c'est ça aussi, déchirer les lions comme un agneau. Et on va présenter, l'un des veillards présentera le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, mais du lion sortira les chevaux, du lion sortira l'agneau. Parce que lorsque Jean regardera, au lieu du lion, il verra l'agneau. C'est ça, du fort est sorti les loups. Du lion est sorti les chevaux. Du lion est sorti l'agneau. Ça, c'est merveilleux. Mais comme Dieu parle de plusieurs manières, dans Daniel chapitre 5, cela est représenté sous forme de Daniel, qui est de la postérité de Juda, c'est ça les lions, mais qui était aussi captif, c'est ça la faiblesse du lion qui est les chevaux, qui est là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes bien disposés à répondre sur toutes les questions que vous allez nous poser. Nous sommes disposés à les faire parce que nous sommes là pour vous. S'il y a des questions, là où vous n'avez pas compris, nous sommes là pour vous et bien disposés à répondre. Voilà. Et dans Daniel chapitre 5, au lieu d'un ancien ou d'un vieillard, mais c'est la femme qui va présenter celui qui était digne d'ouvrir les livres. Parce que dans Daniel chapitre 5, celui qui était digne d'ouvrir les livres, c'est Daniel, qui était l'ombre du véritable Daniel, qui est Jésus-Christ. Dire tout simplement dans les Écritures, ce n'est pas seulement l'un des veillards qui présente, mais ici, c'est la femme qui présente. Aussi Joseph, lorsqu'il était en face du songe de Pharaon, il devait expliquer ses songes. On cherchait qui devait donner l'essence à ses songes, ouvrir ses livres
Mais personne n'était digne, les songes s'y rendent. Sur les années de la sécheresse et les années de l'abondance, les épis des bleus, et sur les vaches, les bœufs, les sept bêtes et les sept épis. Vous voyez, personne n'était digne d'ouvrir ces livres. C'était comme un livre qui était fermé. On fera appel à Joseph. Mais ici, ce n'est ni la femme, ni le vieillard qui va présenter, mais c'est les chansons qui a présenté Joseph. Et Joseph sortira de la prison avec la barbe, sur l'image du lion avec la barbe. Et pour se présenter devant le roi, il va raser sa barbe et il devient l'agneau. Vous voyez, ça y est, il a changé d'attribution. Sortir de la prison avec la barbe, c'est comme l'agneau, qui est lion, qui est digne d'ouvrir. Mais arrivé près du roi, il va changer l'attribution. Il va se raser. Il devient l'agneau. Et là, c'était les chansons qui avait présenté Joseph. Tout cela, nous avons voulu tout simplement attirer votre attention que dans les Écritures, ce n'est pas seulement le vieillard qui a présenté celui qui était digne d'ouvrir, mais il y a aussi la femme qui a présenté, et aussi les chansons qui va présenter aussi Joseph. Mais lorsque la femme présentera Daniel, elle dira un homme porteur de lumière. On va faire allusion à la lumière. Parce que là où il y a la lumière, le livre doit s'ouvrir. Les choses cachées doivent se dévoiler. Nous confirmons encore ça dans une autre écriture. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Dans cette écriture que nous venons de donner, vous remarquerez, il y a un trône, un grand trône. Et Dieu lui-même sur ce trône. Mais l'écriture dit, quelqu'un était sur ce trône. Pour dire, il y a un temps où il avait caché son nom. Mais un temps où son nom doit être révélé. Et on va mettre en face de lui cette lampe. Pourquoi seulement la lumière? C'est parce que selon les Écritures, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu aime à se cacher. Il aime à cacher les choses. Dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 1er, là, il est écrit que l'Éternel veut habiter dans les ténèbres. L'Éternel qui veut habiter dans les ténèbres, c'est-à-dire c'est un Dieu qui se cache. C'est comme lorsqu'il était descendu sur la montagne de Sinaï. Dans Exode chapitre 19, il était au milieu des ténèbres parce que c'est un Dieu qui se cache. Mais quand on met la lampe ou les lampes devant lui, comprenez que cette lampe a pour mission de dévoiler Dieu qui se cache. Et on va mettre cette lampe parce que le chiffre 7, c'est vrai, ça parle de la perfection,
mais aussi c'est un chiffre de la plénitude et de la totalité. Au septième jour, Dieu ne pouvait ajouter et ne pouvait retrancher parce que c'est un chiffre de la plénitude, mais un chiffre aussi de la totalité. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Là d'ailleurs, c'est clair. C'est un chiffre de la totalité. Quand on attrape un voleur, il doit restituer au septuple. C'est-à-dire, il doit restituer 7. Là, Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31. Et cela veut dire quoi? Il donnera tout ce qu'il a. C'est-à-dire, chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Alors, avec cette lampe devant lui, cela montre tout simplement que cette lampe vient dévoiler la totalité de Dieu. Vient nous révéler la totalité de Dieu. Comme Paul qui pouvait dire, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Voilà un peu. C'est pourquoi nous devons aimer tous les conseils de Dieu. Aimons la doctrine, aimons la révélation, aimons la connaissance, aimons la prophétie. Parce que le rôle de cette lampe, c'est de voir Dieu dans sa totalité. Il faut qu'on parle de Dieu, commençant par ses cheveux jusqu'à ses ongles. Qu'on nous parle de Dieu dans sa totalité. Les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez, nous avons besoin de le voir, de voir Dieu, de voir le Père. Et la lampe a pour mission de dévoiler ce qui se cache, de dévoiler aussi Dieu qui est caché. C'est pourquoi la création comme un grand livre, il fallait que Dieu commence, que la lumière soit, parce que c'est un livre qui était fermé. Il faut qu'on commence par que la lumière soit. Et par cette lumière, Dieu devait révéler tous les livres. Par cette lumière, tous les sceaux devaient être ouverts, commençant par le premier jour jusqu'au septième jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous allez comprendre que ce livre, c'est un livre qui est à la droite de Dieu. Et nous devons expliquer pourquoi la droite. Aussi un livre qui est scellé en dedans et en dehors. Alors, qu'est-ce que la droite selon les Écritures? Et pourquoi ce livre devait être à la droite? Dans les Écritures, là nous prenons les livres d'Exode. Exode chapitre 15, le verset 6. Exode 15, 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force.
Ici, la droite parle de la force. La droite, c'est la force. La droite, c'est un livre qui est là où il y a la force. Maintenant, regardons. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Et la montagne de Sinaï, c'est l'image de la force de Dieu. La montagne de Sinaï, c'est l'image de la force de Dieu. Et dans cette montagne-là, il y avait un livre. Il s'agit de deux tables de la loi. Vous voyez, ces deux tables forment un seul livre, mais qui a deux portions. Et on cherchait qui était digne de monter sur la montagne et de prendre ses livres. Dans Exode chapitre 19, personne n'était digne parce qu'il y avait une interdiction. Personne ne montera. Celui qui montera sur la montagne et qui touchera même la montagne devait mourir. Vous voyez, pour dire tout simplement, pour monter sur la montagne, Dieu cherchait un sacrifice. Pour prendre ses livres, Dieu cherchait un sacrifice. Et ces livres étaient à la droite parce que la montagne de Sinaï, c'est l'image de la force de Dieu. Mais quand on cherchait qui était digne, personne n'était digne, tout Israël est reculé, mais c'est Moïse qui va monter. Alors, par là, nous comprenons Moïse qui était monté, Moïse est devenu un sacrifice. Et c'est lui qui a pris ce livre-là, qui est des tables de la loi. Et c'est lui aussi qui a lu ces livres-là devant le peuple. Mais Moïse qui monte, c'était un autre Moïse. Mais lorsqu'il descendait, Moïse brillait sur l'image de la mort et de la résurrection. Pour dire tout simplement, celui qui devait prendre ces livres, c'était cet homme-là qui devait mourir, et pas seulement mourir, mais aussi ressusciter. Celui-là qui était digne de prendre les livres. Et toutes ces choses-là se sont accomplies en Jésus-Christ. Les livres à la droite, Dieu cherchait un sacrifice. Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire le véritable sacrifice, c'était le Seigneur Jésus. Celui qui devait mourir et ressusciter parce que le livre à la droite, Dieu cherche un sacrifice. Il est mort, il est ressuscité. Il a pris le livre. Il a ouvert le livre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous avons dit aussi, ce livre, c'est un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Un livre qui a deux portions, mais qui est écrit aussi en dedans et en dehors. Je prends une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32, le verset 31 au 32e verset.
Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ici, Moïse dit, efface-moi de ton livre. Pour dire tout simplement, Moïse devient une écriture. Parce que c'est l'écriture qu'on écrit dans les livres. Ici, nous comprenons qu'un homme peut être aussi une écriture. Mais Moïse dira non. Et Dieu dira non. Moi, je n'efface que celui qui a péché contre moi. Voilà pourquoi Adam était aussi une écriture qui était écrite dans un livre appelé le Jardin d'Éden. Mais lorsque celui-ci pécha, Dieu l'effaça de ces livres-là. Il a chassé du jardin. C'est ça, effacer les livres. Mais aujourd'hui, dans l'alliance de la grâce, Dieu n'efface plus le livre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait porté nos péchés. Jésus-Christ, il a porté nos péchés. C'est comme l'arche de Noé. La pluie qui s'est abattue du temps de Noé, c'était le fouet des dieux. Ces déniches-là, c'était le fouet des dieux. Et ceux qui étaient dans l'arche, ils chantaient un cantique. Ésaïe chapitre 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. C'est-à-dire, au lieu que ceux qui étaient dans l'arche soient frappés, mais c'est l'arche qui était frappée à leur place. Voilà pourquoi nous tous, nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ a été frappé à notre place. Celui qui a porté nos péchés. Et par lui, nous trouvons grâce devant Dieu. Vous voyez? Alors, dans cette nouvelle alliance, Dieu ne peut pas effacer les livres. Nous sommes écrits dans un livre où Dieu ne peut pas nous effacer. Parce que Jésus-Christ a porté nos péchés. Le Saint-Esprit nous donne la force de marcher dans la sanctification. Et là où nous avons branché, de nous convaincre du péché, de nous relever et de continuer la marche. Mais Adam a été effacé du livre quand Dieu l'avait chassé du jardin. C'est comme lorsque Israël transgressait la loi. Dieu l'effacé du livre qui est Canaan. Il est chassé du Canaan. Et nous disons que selon Exode chapitre 32, le verset 32, un homme c'est aussi une écriture. Mais ce livre d'Apocalypse chapitre 5, c'est un livre qui a deux portions. La portion du dedans et la portion du dehors. Alors nous avons compris que ces deux portions c'est le ciel et la terre. Mais la portion du dedans, c'est celle qu'on appelle le ciel. C'est le ciel. Et la portion du dehors, c'est la terre. Là, si nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le langage parabolique des vierges sages et des vierges folles, vous remarquerez, le bout vient du ciel. Il vient du ciel. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 9, le verset 24, le ciel, c'est le lieu très saint. C'est ça le dedans. C'est-à-dire, le pauvre vient du lieu très saint. Il vient prendre une femme. Il l'amène aussi dans le lieu très saint qui est le ciel.
Et les vierges folles qui sont restées, elles sont restées dans les parvis. Dehors, sur les parvis. Et c'est ça la terre. Voilà pourquoi les deux portions du livre, il y a le ciel et il y a la terre. Le ciel, c'est la portion du dedans. Et la terre, c'est la portion du dehors. Mais dedans et dehors, on doit voir les écritures. Nous disons que ces écritures, ce sont des hommes du dedans et des hommes du dehors, des hommes écrits dans ces livres. Lorsque Abraham attendait sa postérité, qui est Isaac, Dieu fera voir à Abraham le ciel, c'est-à-dire Isaac était écrit dans le ciel comme étoile et il était écrit aussi sur la terre comme sable de la mer. C'est-à-dire en Isaac, on voit deux portions. Isaac écrit là au-dessus, dans le ciel, c'est ça Isaac qui est écrit dedans. Mais Isaac écrit sur la terre comme sable de la mer, c'est ça Isaac qui est écrit dehors. C'est-à-dire, Dieu montrait à Abraham les deux portions du livre. La portion du ciel et la portion de la terre. Mais dans chacune de ces portions, Isaac était mentionné. Vous voyez, Isaac était mentionné dans chacune de ces portions. Voilà pourquoi dans les livres de Galates chapitre 4, verset 21 jusqu'au 27e verset, l'église est comparable à la Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est écrit dans le ciel. Mais Israël est comparable à la Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est écrit sur la terre. Écrit dans le ciel, c'est ça, nous, l'église. Et écrit sur la terre, c'est ça, Israël. Voilà les deux portions de ces livres. C'est-à-dire, il y a des promesses qui concernent l'Église. Il y a des promesses aussi qui concernent Israël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine, nous continuerons notre message. Et nous vous donnons nos coordonnées. Votre numéro de téléphone, votre humble serviteur, Alain Zouzi Kondé. Le numéro de téléphone, 00-243-81-28-55-400. L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvre mes yeux, afin que moi je vois où est la vraie église. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé.